Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Maxel USA Togo. Comme nous tous, nous le savons bien que chaque année, il y a les critères que les États-Unis font sortir par rapport à la qualification de la Developer Visa. Et aujourd'hui, nous allons parler des pays non éligibles pour pouvoir jouer la Developer Visa section 2024. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir si votre pays fait partie des pays non éligibles, veillez sur la vidéo jusqu'à la fin et vous allez en savoir. Alors, premier pays, nous avons Bangladesh. Bangladesh n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa américaine. Nous avons également Brésil. Brésil n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa américaine. Nous avons Canada. Bien sûr que Canada est proche des États-Unis. Ils ne sont pas autorisés à jouer également la Developer Visa. Nous avons la Chine. La Chine, y compris le SAR Hong Kong. SAR Hong Kong n'est pas aussi autorisé à jouer la Developer Visa. Nous avons la Colombie. La Colombie est exclue. Nous avons la République dominicaine. Elle aussi est disqualifiée. Nous avons El Salvador. El Salvador n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa section 2024. Nous avons l'Haïti. Nous avons Honduras. Honduras n'est pas autorisé. Inde non plus autorisé à jouer la Developer Visa. Nous avons Jamaïque. Jamaïque n'est pas autorisé. Nous avons la Mexique. Mexique n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa section 2024. Nous avons le Nigeria, notre pays voisin. Le premier pays que je viens de lister qui est le premier qui n'est pas autorisé. Voilà. Et Nigeria. Peut-être que ton pays aussi est dedans, on ne sait pas encore. Alors, veille sur la vidéo jusqu'à la fin. Nous avons Pakistan. Pakistan n'est pas autorisé. Nous avons Philippines. Philippines n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa section 2024. Nous avons Sud-Corée. Sud-Corée n'est pas autorisé. Nous avons United Kingdom. United Kingdom n'est pas autorisé à jouer la Developer Visa session 2024, mais à l'exception du Nord-Irlande. Dans United Kingdom, l'exception, le pays qui peut jouer là-bas, c'est le Nord-Irlande. Nord-Irlande est l'exception. Nous avons Venezuela. Venezuela n'est pas autorisé. Nous avons Vietnam. Vietnam n'est pas autorisé. Alors, les deux pays qu'ils ont ajoutés de nouveau pour session 2024, nous avons le Honduras et le SAR Hong Kong. Ce sont les deux pays qu'ils ont ajoutés pour la session 2024. Alors, les gens vont se demander à savoir, et si je suis né dans le pays qui vient d'être laissé et que je me suis marié avec quelqu'un d'autre pays qui est qualifié, alors vais-je jouer ou pas? Tu vas jouer. Si tu es marié par le lien de mariage, vous êtes autorisé à jouer. Si vous êtes né dans ce pays et que vous êtes marié avec un quelqu'un de Cameroun ou bien Togo ou bien Bénin, alors par le lien de mariage, vous êtes autorisé à jouer la Developer Visa. Mais en dehors de ça, si vous êtes né là-bas et que vous êtes marié là-bas, vous êtes là-bas complètement, vous n'êtes plus autorisé à jouer la Developer Visa section 2024. Alors, je m'en vais vous demander de liker la vidéo, partager et abonnez-vous. Et pour tout ce qui concerne l'immigration au Canada, bonne nouvelle pour vous. Je vous informe que nous avons un live ce vendredi à
9h, heure de chez moi, heure de Kentucky, à 10h du Canada, à 13h du Togo et 14h du Bénin. Alors, veuillez vous préparer pour le live. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.